Et salut les BJs, ici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le comeback, mais apparemment un single qui vient avant l'album des Super M. Je l'attendais avec impatience. Je vous avoue, j'ai pas du tout vu de teaser. J'ai vu les photos pas mal sur Instagram. Les styles sont dingues, l'esthétisme et le concept. Je sais pas si ça va ressembler à ça dans le clip. En tout cas, j'ai rien entendu, j'ai rien vu du clip. J'ai réussi sans me forcer. J'étais tellement occupé à pas voir de teaser. Mais si vous me connaissez, tous ceux qui forment le groupe Super M, c'est vraiment mon style de musique, c'est vraiment mes styles de groupe. Allez, sans plus attendre, la réaction à 100 de Super M, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, brrrr. Qu'est-ce qu'on reconnaît le son du concept de tout ce qui est NCT et Super M d'ailleurs. Très futuriste. Oh, ça balance direct, hein. Yes. Oh mais c'est tellement à fond, mais c'est excellent dès le début. Baekhyun qui arrive directement avec avec son petit vocal tranquille. Et ça s'arrête pas, hein. Oh, je rêve où il avait un habit qui ressemblait au sac Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Il y a beaucoup de mécaniques, ça revient souvent dans les clips de la SM, je trouve. Les mines en cowboy. We go 100, on y va 100. Ça veut dire on va à 100 à l'heure ou est-ce qu'on y va à 100%? Ah, il me régale. Ce son, il va m'éclater les tympans. Le style de fou. Ils ont chacun leur manière d'apparaître et de vivre leur moment. Et vous avez vu cette formation-là en diagonale. Aïe, aïe, aïe. Petit tour sur lui-même, sans ça y a pas de Taemin. Petit pas. C'était Young qui a les cheveux vanille fraise là, ou j'ai pas remarqué? Oui mais saute par la fenêtre, on ne dira rien. Ah, je me demandais quand est-ce que la petite douceur va arriver. Oh, smooth! Vous entendez la montée là aiguë comme ça? Bah! Le drop de retour a été en plusieurs parties, il a été allongé, il a été long et ils ont mis la high note à l'intérieur. Et quelle high note! Non mais ça explose tout, hein, franchement. C'est très 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 bon. Alors, est-ce qu'il y a des significations ou quoi? Je suis en train de me rendre compte à chaque fois que je fanboy, parce que j'ai fanboyé, je me concentre pour essayer de vous dire un maximum de choses, mais ça tiendrait qu'à moi, j'aurais les yeux écarquillés et je baverais sans dire un mot, sans être capable de dire un mot, parce que j'ai même pas cherché des significations ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, qu'il y ait beaucoup d'histoires, hein. C'est vraiment de la performance dans divers endroits, et ils sont chacun dans un train, dans un garage, etc. comme pour personnifier, caractériser leur personnalité. Ça fait tellement plaisir de les voir de toute façon, ils sont ultra stylés. J'ai pas réussi à bien capter tout le monde tellement j'étais encore une fois concentré. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du son, du MV. Je trouve que ça reste vraiment dans leur style, enfin dans leur style, ils sont tout nouveaux, ils sont tout frais. C'est vraiment un style SM, c'est surtout un style Wavy NCT. Et c'est pas pour me déplaire pour ceux qui me connaissent, j'ai adoré. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé encore une fois dans les commentaires. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Prenez soin de vous car c'est le plus important. Allez, ciao.